Leicester away in the first fight in the featherweight division. Please welcome Yoni Arazabiarasa, 57 kilos. Her opponent, Manuela Marconetto, 57.2 kilograms. Yaku Keksmaski, 17.6 kilos. His opponent, Mohamed Bayo. Comparé à, apparemment au premier combat, tu vois, on a eu vraiment une préparation très sérieuse. On était assidus, on était fidèles à notre prépa. Et vraiment, j'ai hâte d'en découdre demain pour mettre en place cette stratégie que j'ai répétée énormément. Tu vois. On t'a senti peut-être un peu plus concentré aujourd'hui à la pesée, peut-être un peu plus sérieux par rapport à la dernière fois. Je peux dire qu'il y avait un manque d'immaturité, on va dire, peut-être au premier combat, tu vois. Là, comme je t'ai dit, je sais à quoi m'attendre, je sais comment apercevoir les choses, tu vois. Là, maintenant, je veux lui montrer que je suis très sérieux et que je me suis préparé très sérieusement pour ce combat et j'ai vraiment hâte d'être demain, comme je t'ai dit. Ce combat, il représente énormément de choses, tu vois. J'en ai souffert un peu de cette prépa, j'ai fait beaucoup de promesses à mes proches, tu vois. Depuis mon premier combat, j'ai eu énormément de galères, problèmes de santé et tout, tu vois. Et franchement, cette victoire, c'est pour moi une relance qui fait que je pourrais convaincre le public d'Arès et leur montrer que je fais partie des combattants importants dans cette organisation, tu vois. En tout cas, il y aura un Mohamed Bayo qui va combattre avec du cœur et qui donnera tout et qui lâchera pas, quoi. À l'annonce, quand mon manager m'a annoncé pour Arès, en fait, je me disais que c'était une super opportunité, mais que j'avais rien à perdre en fait, et que du coup, bah, j'y vais vraiment dans cet état d'esprit de j'ai tout à gagner. Enfin, il n'y a pas de pression plus que dans une autre organisation. Je suis super contente parce que c'est une organisation qui traite bien ses combattantes. Du coup, à part ça, c'est pas une pression supplémentaire pour moi que ce soit ici, non. Au contraire, j'ai rien à perdre. Franchement, tout à gagner. En fait, mon adversaire, je l'ai vu sur les deux derniers Arès. Du coup, j'ai vu que bah, déjà, c'est la première fois que j'encontre une fille, une combattante qui a un peu le même gabarit que moi. Et du coup, moi, ça me fait plaisir. Et si on va dans tous les domaines du MMA, je serais trop contente de pouvoir striker, de pouvoir lutter, de pouvoir aller au sol, de pouvoir être en grand end point. Franchement, ce serait... Ouais. J'espère que ce combat, ça va me permettre de m'exprimer à 100%, de voir mon évolution un peu dans le MMA et je serais super heureuse. Le dernier combat que j'ai effectué à l'Arès, je n'étais pas vraiment rentré dans le combat parce que je n'ai pas été dans le vif du sujet directement. Donc du coup, ça m'a, à cause de ça, j'ai perdu parce que mon adversaire a établi son game plan. Et donc du coup, voilà, j'ai perdu par étranglement. Et voilà. Qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux, de plus sur ce combat? Peut-être être plus offensif, montrer que je suis là.
pour déjouer ses plans, quoi. J'ai médité chez moi, je sais pas comment vous dire, mais voilà, je pensais que à ça et c'est vrai que je suis plus concentré que d'habitude. Déjà, j'ai une revanche contre moi-même à prendre parce que c'est l'objectif premier, c'est moi. Et cette victoire, je la veux et je vais tout faire pour la ramener. We saw on the stage there was a little bit tension. Yeah. Before we met up there, Lopez came and he said that we need to be on our line and we don't need to touch each other. So she broke the rule. She came to me, she came to my face and she tried to push me with her head and of course I pushed her back, so that's it. I think this is going to be one of my best fights, 100%. I'm mentally ready for this. I'm ready to bring the war. I'm ready to finish the fight. And I know that Evelina is a good fighter too. So I'm really looking forward to this fight. And I know it's going to be a show. So yeah, even the people didn't saw my striking so much. I think I can keep up with the striking. But of course, my ground game is something else, I think, for every fighter here, every girl fighter here. You can expect anything. I was working on anything, so maybe knockout, maybe submission, but something spectacular. Yeah. Welterweight championship and first on the scale, representing Argentina, Pepe. From France, Ragnar Michael Leboeuf.
on te retrouve encore une fois pour un nouveau combat sur Ares. Chaque combat, on ne sait pas si ça va être la dernière ou pas. Aujourd'hui, est-ce que tu es encore dans cette optique de peut-être c'est la dernière ou tu te dis finalement on verra jusqu'où ça nous mène? Je suis vraiment dans cette optique. Je suis dans cette optique de dire ouais, c'est peut-être la dernière. Et pour autant, de l'autre côté, je sais, enfin, je suis persuadé de ce qui va se passer et je sens que je vais ramener cette coupe à la maison. Et je le dis depuis le début, mais j'en suis persuadé. Je pense que je vais vraiment finir ce combat avant la limite. Je n'ai pas rien à perdre. Quand je viens combattre, moi, j'y mets toute mon âme, tout mon cœur. Une défaite, c'est toujours... ça laisse des traces, faut pas croire. C'est psychologique, ça laisse une trace sur le palmarès. C'est pas rien. Donc non, moi, j'ai à perdre. J'ai à perdre de perdre contre un gars comme ça, bien sûr. Par contre, je n'attends plus rien de ma carrière. Ça, c'est une réalité, mais c'est deux choses très, très différentes. Face à Karl, avant le combat, il y avait beaucoup d'échanges via les réseaux, etc. On sait que ça avait perturbé Karl. Là, personnellement, j'ai senti également que Pépi a été un peu perturbé aussi. Est-ce que c'est quelque chose, entre guillemets, que tu fais exprès? Est-ce que ça fait partie du combat pour toi? Bah, un combat, ça commence du panneur à partir du moment où tu désignes ton adversaire et que tu signes le contrat. Le combat a déjà commencé, puisque dès que tu es en préparation, tu es déjà dans ton combat. Entre guillemets, tu te prépares pour ce combat. Maintenant, on a la chance d'être en France. Je combats en France. J'ai le moyen par mes réseaux, j'ai le moyen par les médias français de communiquer autour de ce combat. Et à chaque fois, j'essaye de trouver un angle pour vendre le combat et trouver ce qui va le plus déplaire à mon adversaire. Après, ça reste mignon. Je ne suis pas là non plus pour être insultant ou autre. J'ai toujours été respectueux. Lui a essayé de trash-talker de manière plus irrespectueuse. Moi, je ne rentre pas dans ça. Ce n'est pas mon délire. Et donc, voilà, le combat qu'on risque d'avoir, c'est un combat qui va se terminer au troisième ou quatrième round.